Salut tout le monde, c'est Georgie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu qui se nomme Fighting Force 64. Donc, Fighting Force 64, ça fait partie des premiers jeux que j'ai joué durant mon enfance. Ce jeu-là, j'ai commencé à jouer à peu près vers 3 ans. Donc, cette vidéo, ça va être une genre de review sur ce jeu-là, vu que je l'apprécie vraiment, parce que pour moi, c'est un jeu qui est vraiment nostalgique. Ça reste peut-être un des plus nostalgiques avec Conquer Bad Fur Day. Mais bon, je dirais que tous les jeux de la N64, ça reste vraiment des jeux nostalgiques pour moi. Donc, c'est un beat'em all qui est sorti en 1999 sur N64, PlayStation 1. Puis, il est aussi ressorti sur PlayStation 3, mais en téléchargement. Donc, c'est un jeu qui se joue seulement à deux. Il se joue à deux ou à solo. Mais on peut pas jouer à 4 parce que moi quand j'étais petit je pensais qu'on pouvait jouer à 4 sur la N64 vu qu'il y avait 4 ports de branchement pour les manettes, mais dans le fond on peut juste jouer à 2. Mais je dirais que vraiment le plus beau moment c'est vraiment quand on joue à 2, parce que c'est sûr que tout seul c'est un petit peu moins délirant. Quand on joue à 2 t'as vraiment du fun, sérieusement. C'est vraiment du plaisir. Donc c'est pour ça en même temps que je fais cette review, c'est pour parler un peu des jeux de maintenant puis du online. Parce que comme là vous voyez, c'est un jeu qui a pas d'online vu que c'était sur la N64. Puis que c'est un jeu qui nous réunissait, tu sais. T'étais au moins deux puis tu t'amusais. Mais je veux dire que souvent on était quatre. On regardait, il y en avait deux qui regardaient puis il y en avait deux autres qui jouaient. C'était vraiment le fun. Ou quand quelqu'un était tanné, il passait la manette. Fait que si je fais une vidéo maintenant, c'est une review, mais en même temps, c'est pour vous parler un petit peu, dire mon point de vue sur le online, puis qu'est-ce que je pense d'online, même si j'avoue que ça quand même, j'ai aimé ça, j'aime ça, puis tu sais, ça a révolutionné quand même le jeu vidéo. Donc, pour moi, qu'est-ce que je regrette d'online, c'est le fait qu'il n'y ait plus autant de jeux en écran scindé. Puis même s'il y en a quand même, je veux dire, on se réunit plus autant qu'avant. Si on regarde sur la N64, c'était vraiment ça, tu sais, j'allais chez mes amis venaient chez nous, puis on jouait tranquille, mettons, à Super Smash Bros, Mario Kart 64, des jeux comme ça, tu sais, des jeux vraiment qui jouaient en multijoueur, mais c'était du multijoueur local, tandis que maintenant, le en ligne, ça, je trouve ça plate, c'est ça, mettons, on joue à Call of Duty, comme moi, je joue à Call of Duty des fois, puis quand on joue, mais tu sais, je veux dire, tes amis, ils viennent plus vraiment chez toi, tu sais, ils font juste t'inviter sur l'Xbox Live ou sur le PlayStation Network, puis tu joues avec eux. Ça, je trouve plate, c'est que t'es vois plus, puis... Tandis que quand t'es vraiment ensemble devant le même écran, c'était plus plaisant, tu sais. C'est ça que je trouve qu'il manque vraiment d'un jeu, c'est qu'il manque de fun, parce qu'on reste trop avec du online, on joue trop avec du monde qu'on connaît pas. C'est sûr que c'est le fun, mais en même temps... Moi, j'aimais ça inviter mes amis viennent, on joue à Call of Duty 3. Moi, je dirais que c'est vraiment vers Call of Duty 4 que, là, les Call of Duty ont arrêté de, disons, de faire des bonnes choses en écran scindé. Mais, bon, c'est pas juste Call of Duty que je vais parler, tu sais. Il y a aussi une chose qui m'énerve un peu, c'est Battlefield 3 ou que ce soit même Battlefield 4, toutes les Battlefield... m'énerve un peu parce qu'il y a aucune chance de jouer en multijoueur local. Fait dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que mec qui aille, admettons, on va dire, ils vont fermer les serveurs Xbox Live ou PlayStation Network ou les serveurs Electronic Arts de Battlefield 3, mais on pourra plus jamais rejouer à Battlefield 3 en multijoueur sur console. Donc, ça m'énerve un peu parce que c'est comme tu payes le jeu 60$, on va dire. Puis en plus de ça, il y en a qui payent aussi des DLC. Puis là, tu payes des DLC, mais tu peux pas rejouer. Ça que je trouve plate, c'est que tu mets, on va dire, 120$ pour le jeu au complet avec les DLC et tout ça. Puis si tu veux rejouer 10 ans après, tu peux pas. C'est ça que je trouve plate qui arrive en ce moment avec le jeu vidéo. Puis la chose qui me dérange le plus... c'est qu'ils commencent à mettre tous les jeux dans le nuage. Fait que là, ils veulent juste des jeux en téléchargement. Ça leur... ils veulent plus faire des jeux en physique avec des CD ou des cartouches comme la N64. T'sais, ils veulent vraiment que tout soit dans le nuage puis que tu n'aies rien à downloader. C'est soit le nuage ou soit le download.
Mais sérieusement, c'est pas ça, je veux pas m'en aller là-dedans. Je trouve ça vraiment plate. Sérieusement. C'est pour ça que j'aime vraiment le rétro comparer les nouvelles consoles de maintenant, parce que il y a un paquet de bons jeux, mais c'est tout déjà en téléchargement. Puis tu sais, c'est. Tu sais, j'aime pas ça payer pour du téléchargement, parce que moi j'ai l'impression de payer pour rien. Tu sais, c'est comme tu payes, mais t'as pas de boîtier, t'as pas de notice, t'as rien. Puis en même temps de parler des notices, je viens de penser à un nouveau jeu, ils n'ont plus de notice. Ça aussi, c'est une affaire que j'aime pas puis qui m'énerve. Les jeux, ils n'ont plus de notice. Je veux dire, ils vont te donner une petite notice vraiment 2 pages, on va dire. Puis ils vont te dire, va télécharger la notice sur Internet. Ils te donnent le lien. Tu écris ça dans ton navigateur. Puis ils disent, télécharge la notice en PDF. Ça, c'est vraiment. Je trouve ça dommage parce que, regarde, moi. Les notices, là, des fois, je m'amusais même à les lire, tu sais, j'avais fini le jeu, mais même si j'avais fini le jeu, je sais pas. Il y avait des choses que j'avais même pas découvert en finissant le jeu. Puis là, je lisais la notice de même quand t'as pas grand-chose à faire, puis que t'as fini tous tes jeux. C'est le fun, tu sais. Puis ça que je trouve plate qu'il y a maintenant, c'est qu'il enlève pas mal toutes les notices. Il enlève toutes les bonnes choses du jeu vidéo, je trouve qu'il l'enlève. C'est ça que je trouve plate un peu. Puis, surtout, c'est que. Je sais pas pourquoi, même si moi, quand je me promène dans les marchés aux puces, là, tu regardes, là, il y a du monde qui vend des jeux, là, Game Boy, tout scrappé. Tu vois, ils sont en boîte, là, mais la boîte, là, on dirait qu'il a pleuvu dessus, là. On dirait que le gars, il a dit, ah non, moi, l'arroser, tu sais, est toute pétée. On sait même pas, la notice ici doit être pétée. On sait peut-être la cartouche qui marche, mais on n'est même pas sûr que ça marche. Puis là, il me dit, 20$. Puis le plus pire, c'est que c'est pas un jeu super bon non plus, tu sais. Puis là, il me dit 20$, je fais. On dirait quasiment qu'ils ont trouvé un vidange, puis il veut t'y vendre 20$. Puis j'ai vu Nintendo, lui, a trouvé une PlayStation 1 dans les poubelles. À marge en plus, là. À marge gratuite. Puis des fois, tu payes bien cher parce que tu sais, le gars, il te garantit que ça marche. T'arrêtes un peu après. Puis qu'est-ce que tu trouves pas des marchés au plus, c'est que. Tu peux pas revenir là puis dire tu vas te faire rembourser. Parce que le gars va pas te rembourser. Fait que tu sais, à un moment donné, tu vas partir en chicane avec puis tout ça. Ce que je trouve plate, c'est qu'il n'y a pas de remboursement. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, on n'a pas vraiment le choix, c'est un petit peu ça la loi. Mais tu vois, c'est ça que je trouve plate un peu. Moi, à un moment donné, je voulais m'acheter. Parce que j'avais vu ça au marché au plus, je me suis dit, oh, je vais l'acheter. C'est une genre de NES. Puis SNES intégré ensemble, mais c'est en fin de compte, c'est une console d'émulation. Fait que dans le fond, ça vaut pas trop la peine. Parce que moi, je pensais que ça allait être bon, que j'allais plus jouer à mes jeux NES puis SNES dessus. Mais en fin de compte, on peut, mais c'est l'émulation. Fait que je vois pas le but, tu sais. Je veux dire, tant qu'à prendre l'émulation, j'aime autant bien jouer sur PC, tu sais. Puis qu'est-ce que j'aime aussi de l'émulation, c'est que tu sais, des fois, t'as pas de jeu. Ou tu peux même tester les jeux avant de les acheter. Fait que tu sais, t'arrives au marché aux puces, tu vois qu'il est en bon état. Puis là, moi, qu'est-ce que je fais? C'est qu'on peut faire l'émulation sur nos smartphones. Fait que là, je le télécharge. Je l'essaye, puis là, je suis allé, pas pire. Puis je me la jette. Fait que, tu sais, c'est le fun pour des affaires. Là, bon, je sais que je change vite de sujet, là, mais c'est parce que j'ai tellement d'affaires en tête que je change trop vite de sujet. Parce que le problème, c'est que je veux dire trop d'affaires en même temps. C'est drôle parce que c'est une review de Fighting Force 64, mais je parle de d'autres choses, là. C'est juste parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce jeu-là. Tu sais, c'est vraiment du fun. Tu sais, je veux dire, moi, il n'y a vraiment rien à dire. C'est. Tu y joues. Moi, je fais juste te le dire, joue-y, là. C'est un maudit bon jeu, là. Tu vas pas le regretter de jouer. Tu joues tout seul, ça peut être un petit peu t'ennuyer. C'est un petit peu comme Left 4 Dead. Tu sais, Left 4 Dead, c'est vraiment un bon jeu, mais tu sais, jouer tout seul, là. Oh, tu t'emmerdes, c'est fou. Des fois, tu sais, au début, tu trouves ça le fun, tu n'es comme un petit peu de zombie, mais à un moment donné, t'es rendu tanné, là, c'est fou. T'es tout seul, direct personne, tu sais, à un moment donné, je dis, ok, je vais jouer avec mon frère, tu sais, là, t'as du fun, parce que tu dis à ton frère, ok, go, on pogne le shotgun, moi, je pogne d'autres choses, tu sais, on a du fun, sérieusement. Quand, au moins que tu sois deux, là, dans n'importe quel jeu, je sais pas pourquoi t'as du fun, mais quand t'es tout seul, là, c'est tout le temps plate. Ça dépend des jeux, je dirais, là, mais la plupart des jeux maintenant, ils sont faits de même. Même dans le temps, tu sais, je dirais. Dans le fond, tout le temps, les jeux ont été le fun à deux, tu sais. Si je pense à Double Dragon 2, c'était vraiment le fun à deux. Fighting Force 64, Conquer Bad Fur Day, Mario Kart, F-Zero sur SNES, Mortal Kombat. C'est tous des bons jeux.
Puis tu sais, la coop, là, c'est ça pour moi que les. C'est pour ça que les jeux sont autant le fun. C'est quand tu joues en coop à 2 ou à 3 ou à 4, c'est plaisant. Surtout avec tes amis, parce que quand tu joues online, on va dire sur Call of Duty que tu connais pas, c'est le fun, mais pas autant. Bon, donc la vidéo va tourner à sa fin. J'ai pas pu dire tout ce que je voulais dire, mais bon, la vidéo finit, fait que je pourrai pas continuer. Donc, merci à tout le monde d'avoir écouté ma vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Puis merci à tous pour vos commentaires à Rex du 25 Video Game Archiviste. Puis DC Barlive, je pense. Puis un autre, mais j'oublie son nom, mais excuse-moi de t'avoir oublié. Mais ça, merci vraiment tout le monde d'avoir commenté mes vidéos, liké ma vidéo, puis surtout de l'avoir regardé. Donc, merci à tout le monde.